suis arrivé chez moi à 21h, 21h30, dans ces eaux-là. Et voilà, j'ai mangé. Et puis après, je me suis mis devant la télévision, juste derrière la porte où on a tiré, à 3 mètres, d'après les policiers. Quand j'ai entendu les détonations, j'ai tout de suite compris, puisque la porte aussi a vibré. Et d'ailleurs, on le voit sur l'image. Et donc, voilà. Et puis, ils sont repartis. On a entendu une moto partir. Voilà. Moi, je suis encore sous le choc parce que je le dis et je le répète. Je me donne tous les jours pour trouver des solutions pour les gens. Mais c'est pas ça la politique. Et je ne céderai pas parce que je sais que je suis menacé depuis quelque temps. Parce que ils veulent peut-être continuer à faire régner une loi qui n'est pas la mienne. Et moi, si c'est cela, je le dis assez souvent, si je dois céder et je dois rentrer dans ce jeu-là, j'arrête la politique. Mais moi, quand j'ai fait des élections, je n'ai demandé à personne, surtout pas des voyous. Ils s'incrustent pour pouvoir après, justement, pour pouvoir après prendre place comme ils l'entendent.